Bon, c'est bien moi ça qui lance un live et qui est juste au téléphone quoi. Le live est téléphone. Oh putain de sa mère. Bon, pourquoi voilà. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? On va lancer le jeu. C'est déjà un bon début, je sais pas ce que vous en pensez. Lancer le jeu. Là. Hop. Hop. Voilà. Voilà, c'est. J'ai fait le truc. Donc, nous allons poursuivre. J'ai rien compris, je comprends toujours rien, Cyberpunk. Bonjour à vous. Je suis Harry Fickbach. Il faut qu'on aille dans l'autre web des Blackos, je crois. Nous en savons un peu plus sur la tentative d'enlèvement et envisagée des Voodoo Boys. Durant la parade sponsorisée, je crois. Pour que Alt Cunningham, la pote d'antan de Silverhead, puisse sortir du sous-réseau. Ah oui, c'est vrai, j'ai sauvegardé à l'arrache. Donc là, il faut que je les loot. Les gens, ceux-là, ils sont tous morts. C'est Alt qui les a tous butés d'ailleurs. Donc vraiment cool. Brigitte, comment dire? Ça, je suis médecin, je peux te le dire que c'est pas naturel. Ça. Bon, je crois qu'il est plus assez prêt lui, hein. Il vient de se faire griller le cerveau. Je sais pas si c'est Brigitte. C'est un mec. Là, il y a un souci. Voilà, bon, il s'est éclaté la tête par terre en mourant. J'avais des... Attends, ils sont où, là-bas. Ouais, mais n'empêche, les genoux... Je ne sais pas pourquoi. Mais il s'est fait dégommer des genoux, quoi. Voilà, donc bon, bref. On voit les petits détails de là, il y a eu un court-circuit, voilà pourquoi il est mort, ça grille son cerveau, mais je comprends pas pourquoi ses genoux se sont retournés comme ça, quoi. Bon, il faudrait peut-être essayer de le remettre dans le bon sens. Non, tu veux pas? Non, il est bloqué, il est figé le mec. C'est. Belle Brigitte. Bon, Brigitte, elle a signé les genoux. Ok. Enfin. Moi, Ténade. Il y a des trucs là. T'es dead aussi. Ah, par contre, ils ont tous saigné. Alors, ça, c'est pareil, c'est un peu étrange. Ils ont tous saigné. Ils ont tous saigné. Ah, pas toi. Non, la tête est résistante. Là, tu vois, c'est exactement toujours la même date qu'on était dans... Merde, attends, je peux pas regarder. Le jeu se passe que le 12 juin 2077. Et même dans le passé, quand tu reviens en 2020, dans la tête de Silverhead, c'est pareil, on a la même date. C'est insane. Putain d'infos, je sais pas quoi. Tu vois, le créateur et destructeur de Samouraï. Ça peut être bien un jour de tout lire. Voilà, scan. On a compris le perdage. 9. 1. Voilà. C'est juste ça. C'est piraté. Le truc. Oh, putain, c'était bleu cette boule. Bon, donc après là, nous partons en combat. Donc ça serait bien de peut-être avoir fabrication. Comme nous allons partir. Action de pistolet, on va fabriquer des masses. Ah, c'est assez chiant ça par contre, il pourrait changer le craft de ça là. On pourrait pas mettre. Ah merde. Hop là.
1m50, tu vois, tu la brilles, c'est pas marre. Là, je peux toujours pas l'améliorer, bloqué. Pas de composant d'amélioration légendaire. Mon Lizzie, là. Putain, je le kiffe trop, lui. C'est pareil, il est bloqué parce que j'ai pas de composant d'objet rare. D'accord. Merde, j'ai pas fait le... les munitions de gun. J'ai la pompe sniper. C'est cela qu'il me faut. Bon, par contre, c'est vrai que je comprends pas trop comment looter les autres composants. Je pense que c'est essentiellement en faisant les 4 accessoires et en lootant des armes. Ah oui, d'ailleurs, faut que je... Mon inventaire, il est plein. Et qualité. Là, j'ai un légendaire. Je l'avais ou pas? Je l'ai pas vu looter. Comment je fais déjà pour les assembler de blé? C'est pareil, tu vois, c'est un peu relou le. Ça va remonter. Un sur deux, ça remonte. Super. Donc, ça, c'est qui ça? Le plan B, faut pas que je le pète. Il faut que je fasse le plan B de Dex pour le fun. Tout le reste, je pense que je peux le dégager. Parce que. Je n'ai pas besoin. Pas faire ça, le faiseuse de veuve, on va le garder. Parce que le nom il claque. Le reste, ça dégage. Mais ça, il faudrait qu'il change. Ça, c'est vraiment relou. Hein. Cette partie-là. Du game. Qui l'optimise, quoi. Anyway. 265. Ah, je vais prendre lui. Hein. Et. C'est quoi là? Ah ouais, on va changer, on va te prendre lui pour voir. J'ai quoi comme lettre dessus, une 21? Bah. Ouais, je comprends que sur les modules. J'ai plus de modules? J'ai plus de module. Ça se peut, c'est possible. Ça se peut que j'ai plus de. Ça se peut. Il faudrait peut-être que je monte ma constitution pour porter des trucs un peu plus lourds là. Athlète là, un peu plus costaud là. Ah putain, ça serait bien pour moi. Vous permet de recharger une arme en sprintant, en glissant ou en sautant. Tant que je passe mon temps à... à louper. Je m'en fous. Augmente l'intensité max dans sa max. Pas trop de trucs à augmenter. Il reste toujours mes points parce que... Il me laisse toujours... des points... Ça je pense qu'ils avaient... Ils avaient prévu mais grave grave truc. Ils ont... Et tu devrais, je pense, pouvoir les utiliser. Je pense pas que ça soit juste pour l'immersion. J'ai mis ça.
Ah, 9 sur 10, se connecter. Bah toi, je me dis... Et l'intelligence. Aider, c'est bon, ok. 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'en ai que. Ah, j'en ai que 6. Je peux en faire que 2 en plus. Ah non, je peux faire sûr. Tac, 9 BD, 55, 7, je peux faire que ces deux-là. Probablement que je peux faire cela. E9, eh ben non, je suis baisé, je peux même pas commencer par ça. Alors 55, 7 A, 9, avec ça que je peux faire. Si j'ajoute 1044, coupon de piratage rapide peu courant, pour rapide épique. J'ai pas eu de légendaire, j'ai pas eu de légendaire. Bon, allez, là on va fighter. Ils ont bugué. Moi j'aime moins que... Ah! Ah oh, le Lizzy il était plus simple. Recouper. Je crois qu'il essaie de le placer. Ah c'est ça que je dirais. Des grenades. Ah, c'est moins facile que le Lizzy. Hein. Je préfère le Lizzy. Le look. Attends, j'avais pas de. De nouveau loot comme ça là, moi à mettre. Alors, je fais combien? 32 27. Ça dégage. 24, ça dégage. 27, ça dégage. 25, ça dégage. Ça dégage, je aura ces vestes tactiques. Ah, c'est mieux ça. Je mets 33. Ça dégage. J'ai combison de runner, putain j'en ai looté. 98 bah y'a rien de mieux. Merde, j'avais un truc dedans. Ce pantalon épique. Gendarme, je veux dire. Classe. J'ai pas de module. J'ai ça brut. Plus 30% de dégâts. Ah ouais, putain. Faut que j'aille AFK. Faut que j'aille AFK. Je fais combien? 50. Si je me disais. Ok. Je vous laisse 5 minutes. Tu es sage.
Hop là. Alors, hop. Voilà, je suis de retour pour jouer à un mauvais tour. Bon, les enfants. Les enfants. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts, les beautés du cul? C'est ce que nous allons faire, beauté du cul. La communiqué live. Je serai amusé. Je me disais, il fallait aussi que je. Là-dessus, j'avais essayé un truc à prendre. Merde! Attends. Fabrication, ingénierie. Où ça? Ouf, maximum. Attends. Alors, confirme 10% de chance. Demander le jeu vous donne 5% de chance d'obtenir la récompense supplémentaire. Parce que là, c'est ça, attends, quand même, je vais épique. Ah, c'est ça. 16. Ah, oh, c'est 18. J'ai jusqu'à 18 en capacité technique. J'ai en 18. Ils ont oublié de mettre le pourcentage. Et ben là, c'était quoi ça? On fait contrôler des crédits de 25%, on permet de fabriquer des objets épiques. On a des commandes de 15% pour fabriquer des objets. C'est pas mal ça aussi. C'est pour te faire grave de thunes. Mais après, à quoi ça sert de te faire grave de thunes actuellement? Je ne sais pas. Allez! Bon, l'après de Lizzie, toi monsieur, facile. Le bout de bois, vous m'avez pris un peu pour des cons, je crois. Donc, étonné que j'apprécie. C'est sympa, ils t'attendent. Attendre si c'est pour le taquet. C'est bien ça. Ah, faut que j'aille niquer Placide. Attends, arrête. Ouais. Ah, que du. Ils sont bien lootés, hein, les voleurs. Bon, y'a rien d'autre à prendre là-dedans. Surcharge! La Placide qui est en haut, les cocos. On vérifie Carinthus. Je pense un petit surcharge là-dessus aussi. Allez, Polpen, boum! Placide, tu veux être là-haut, je pense. C'est facile.
t'es excité là. Ah putain, j'ai plus de moi. Je suis en train de te violer. J'ai des 4000 dans la tête, quoi, gros. Il est bugué le jeu, c'est aussi une capable de ça. C'est moi, il est trop bugué, Placide. Placide, eh, je vais pas dire, mais tu meurs. Tu meurs avec. Textile. Trench usé en légendaire. Et là, ça va être démonté cash. Placide, est-ce que je te foutrais pas, comme tu t'es bien foutu de ma gueule, une petite balle dans la tête? Ah merde. T'es déjà mort en fait, Placide. Je peux pas récupérer ton corps. Placide, t'as été nul à chier. J'ai eu nul à chier, c'était vraiment, mais vraiment, vraiment nul à chier, quoi. Avec combien d'années de radar, elle était pas là. Et ça, 94, ça c'est mieux que mon veste par balle, Arasaka. Mais c'est le trench usagé de Placide, quand même. Je lui ai mis quelques trous de balles, mais non, non. Et lui, au moins de dégâts critiques de 30, augmente les chances d'infliger un coup critique de 15, je veux dire, il a déjà les. Il a déjà les emplacements. Et je suis en train de me dire, est-ce que j'aurais dû looter? Peut-être pas. C'est pas ça la technique, ne pas looter. Pour essayer de voir si t'avais pas déjà des. Ah merde, je sais pas. La sauvegarde a été mise où? La sauvegarde auto. Et là. Là, c'est placé, tu vois sa jambe. Attends, je vais voir. J'avais 4 slots. 4 slots sur le légendaire. Est-ce qu'il allait looter ou pas, Placide? Merde. Est-ce que je l'ai looté? Ah oui, il est déjà là. Il est déjà de looter. Ouais, grave la flemme de referme. Le Dizzy. Dizzy, ce qui te met. Salut mes potos! Qu'est-ce que merde. Prépare-toi. Ah, il a regardé ta main dès que. Putain! Johnny! C'est bon, tu vas pas mourir. Je m'occupe de toi. Je sens que c'est Johnny qui va prendre mon corps là. Allez. Johnny. Ah, t'es sympa, Johnny. T'as chopé de la pilule? C'est Lerma. Allez, debout. Le Pacifique est de toute beauté à cette heure-ci. Cette crise a failli me tuer. Failli. T'as raison. Je pourrais le fixer pendant des heures. Faudrait que t'aies ta meuf, tu sais. Bon, 25, 30,
On est à Pacifica. C'est quoi cet endroit ? Un vieil hôtel, le Pistis Sophia. On est les seuls clients. Allez, viens. Je veux te montrer quelque chose. J'ai vu la pseudo-endotrisine dans ta main. Je peux pas vraiment m'en sortir dans ce corps sans ça. J'ai eu l'impression que t'essayais de te débarrasser de moi pendant que t'étais dans les vapes. Et franchement, c'était galère. Qu'est-ce qui s'est pas passé, Johnny ? Je referai le jeu quand il sera patché, je pense. Je t'ai bien vu. Alors essaie pas de mentir. Tu voulais prendre des médocs. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Non, arrête. Je te connais bien maintenant. Hey, je t'ai sauvé la peau. Je t'ai mis à l'abri. Et toi, tu doutes toujours de mes intentions ? T'as hésité. T'allais les prendre, mais ta conscience t'a empêché d'aller jusqu'au bout. Donc Johnny Silverhand aurait une conscience, maintenant. Oh, lâche-moi avec ça, ok ? Passer par la fenêtre. Ça, je devrais y arriver. Tu veux savoir pourquoi je t'ai amené ici. Il y a une planque là, juste derrière moi. Ouvre-la et vide-la. Qu'est-ce qu'on va looter ? Oh, y a rien d'autre. Putain, c'est glauque. Y a un charculon quoi. Ils ont rangé les sextoys de partout. Hein. Il n'y en a plus. Là, normalement, il va en avoir un. Allez. C'est les tiennes ? C'était. Elles sont à toi maintenant. Ça a 50 ans. La guerre au Mexique ? Quand j'étais qu'un petit merdeux comme toi, je me suis enrôlé dans une armée corpo. C'est au Mexique que j'ai compris que quel que soit le conflit, les corpos gagnent toujours. Et les gens ordinaires perdent toujours. Eh, tu t'es dit que t'allais exprimer ça dans tes chansons ? D'abord, j'ai déserté. J'ai atterri ici, dans cette piole. J'ai passé un bon mois allongé sur ce lit à fixer le ventilo. Moi aussi, je pourrais m'allonger et fixer le ventilo jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça que je t'ai amené ici. Je veux t'éviter de foutre en l'air des jours, des semaines, comme je l'ai fait. Pourquoi tu me les donnes ? Imagine qu'on nous envoie au front, et qu'on doive se battre côte à côte. Tu serais prêt à prendre une balle pour moi ? Je crois. Ouais. Ouais, moi j'aime bien, c'est vrai. J'ai donné à un gars qui a donné sa vie pour me sauver, au Mexique. J'ai bien réfléchi à notre problème. Je veux que ce soit bien clair. Je te ferai jamais de mal. Quand le moment viendra, je donnerai ma vie pour toi. Je te laisserai m'effacer. Et ces plaques sont la preuve de ma promesse. Je ferai la même chose pour toi. Yo ! Ouais. Salut, Stekos. Tu veux vraiment accepter l'offre d'Anako ? C'est quoi l'offre d'Anako ? Je m'en souviens pas. Putain de sa mère. Et c'est pas bon de jouer avec... attendre deux semaines entre chaque partie, quoi. C'est quoi l'offre d'Anako ? Bon, alors, t'es prêt ? Bah attends, j'essaie de me souvenir ce que c'était que l'offre d'Anako, Sylvain. Commence pas, je ferai ce qu'il faudra pour suivre, t'as une meilleure idée, on veut la même chose, putain... Ouais, carrément, Spikulo, ça va bien. T'as une meilleure idée ? Pas encore, non. Mais j'ai une requête. Bon. Adam Smasher, le fils de pute qui a réussi à m'avoir. Quoi qu'il m'arrive, ah, tu es Adam Smasher, des zingues qui disparaissent de la surface de la planète. Ah non, je l'ai pas tué après, oui. Qui déjà ?
impressionnant quand j'en suis à part. Sérieux? Smasher? Tu penses à lui d'un coup? La dernière fois qu'on l'a vu... On n'a pas pu lui dire bonjour. C'est pour ça qu'il faut le trouver. Et en finir une bonne fois. C'est Silverhand. C'est pas John Wick. Mais ouais. C'est Keanu Reeves, quoi. Allez, foutons le camp d'ici. Alors, c'est ça ta dernière volonté de venger? Je vais pas risquer ma vie pour ça, ça marche. Non, mais je vais le défoncer, ton smasher. Je sais pas qui c'est, mais on va le défoncer. Ça marche. Et je veux que Rogue vienne avec toi. Non, Rogue. C'est aussi important pour moi que ça. Attends, qu'on l'a pas vu, Rogue. Regardez dans la glace, ça a pas changé, ça. Il n'y a rien d'autre à loot ici. Non, il n'y a rien. Non, mais c'est le truc, Sharky Dog. C'est aussi important pour moi que ça allait pour elle. C'est faux. C'est tout? C'est faux. C'est tout que je... Je pense pas un truc que je raconterai. Je parle à l'histoire, moi. Je lui dis tout. Mais Silverine, t'es parti où? En fait, ça serait mieux que je lui dise moi-même. Ah oui, je te donne mon corps, vas-y gros. Prends les médocs de Misty et laisse-moi les commandes à maman. Je suis pas du tout emballé par ton plan, t'en es conscient. Ah, je crois que c'est le moment, on va pouvoir discuter vite fait. Il va se passer un truc avec Rogue. Smasher. Après, je te rends les rênes, promis. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Bon, Sam, je pense qu'il faut que je lui fasse confiance, que je reste à lui faire confiance. Je vais pas faire les trucs qui... Je vais pas faire ça. Dis-moi ce que tu comptes faire. Je veux savoir exactement ce que tu comptes faire, Johnny. Parce que... Je vais dire la vérité à Rogue, et on verra si elle est prête à nous aider. Salut, je désinstaller surtout. L'enfer, alors je suis passé te dire bonjour. J'ai juste à mentionner Smasher et à parler du bon vieux temps. Tu vas voir, ça va aller tout seul. Attends, je suis à toi deux secondes. Ouais, tu joues sur quoi? Tu joues sur PC? Je pense que t'es sur PC, Speculos. Mais j'ai le plus gros conseil que je puisse te donner. Le plus gros, le conseil le plus important que tu peux avoir. C'est ne succombe pas à ce truc. Non. Attends. Il est où? Voilà, ça. Ne Xbox Series X. Ah ouais, c'est sur une Series X, donc ça devrait quand même plutôt passer. Ne succombe pas à cette à ce skill. Dans l'arbre du talent. C'est assez sympa de monter automatiquement la camelote. Ça t'évite de le faire manuellement. Mais le gros souci, c'est que ça démonte toute ta camelote automatiquement. Même les trucs qui coûtent 750 et 10. Les trucs assez rares que tu trouves quand même régulièrement, qui veulent, tu peux revendre 750 et 10. Et ben là, de suite, tu les prends, ils sont démontés. Tu peux pas les vendre, tu peux rien faire. Donc, à choisir celui-là, je pense qu'il faut pas le prendre. Le faire ailleurs. Si tu veux pouvoir te faire de la thune au début. Parce qu'au début, c'est un peu léger la thune. Et... plus tard, je pense que t'en as plus trop besoin, t'as d'autres techniques pour te faire de la maille. Et l'argent n'est pas très très important dans le jeu. Bah moi, j'ai l'impression que c'est pas très très important. Surtout pour les fabrications. Le seul truc que tu fabriques, c'est des mûnes, et regarde, ça coûte 1 et 10. Parce que après, ça coûte 1200, tu vois. Quand tu veux fabriquer du légendaire, t'as 1205. C'est pas non plus monstrueux, et les améliorations, quand t'améliores des légendaires, tu vois, c'est 625. C'est pas ouf, t'as tellement pas de compos pour les crafter, que je pense que c'est pas très très nécessaire l'argent. Mais au début, t'as des missions en fait, où ils te demandent, reviens me voir quand t'auras 15 000. Quoique si, l'argent c'est important dans le Sharky Dog. Pour mettre ton matériel cybernétique. Ça coûte une blinde, ça quand même. À te les mettre. Les charcuts, ils se font bien plaisir. Et quand tu veux te mettre un système d'exploitation qui coûte 15 000 ou 30 000, c'est vrai qu'au début, c'est...
pas simple. Surtout si tu fais pas 100%, si tu fais pas trop les secondaires, c'est pas top. Donc ne prends pas. Au pire, prends-le après, quoi. Une fois que t'es déjà roulé, t'as déjà mettre ton matériel, un peu de matériel cyber, que t'as plus trop besoin de thunes, que la thune peut monter tranquillement toute seule. Prends le truc pour arrêter de te balader avec 15 000 camelotes, quoi. C'est ça qui est chiant. La camelote, je sais même plus où c'est. Ouais, j'en ai plus, tu vois, au final. Moi, j'ai le truc automatiquement. Je sais même pas où c'est. Je sais même plus où il est, tous les objets. T'en loot des conneries. Et la camelote, il y en a partout. Et leur truc de démontage, il est pas ouf. Est-ce que je peux démonter de la bouffe? Ah non, je peux pas démonter de la bouffe. Ah si, tiens, tu peux démonter de la... La tisse, attends, regarde, regarde toute la tisse que j'ai, quoi. Ouais, c'est du café, là. Café, j'ai quand même pas mal de café aussi, mais regarde, putain. Là, de l'alcool. Attends, on dirait une supérette. J'aime des hot dogs, quoi. Je sais même pas à quoi ça sert, ça. Sérieusement, t'en as vraiment même pas besoin dans le jeu, quoi. Alors, peut-être que t'as des quêtes super méga annexes. Enregistrement de caméra. Bande de danse sensorielle. Je peux même pas les démonter, ces trucs-là. Mais bon. Mais donc, sur série X, là, ça tourne bien, le jeu. Il est pas trop pété. Ouais, fais gaffe aussi sur ce que tu mets. Tu vas voir là, il va y avoir un truc ici, mais pour l'instant il n'y a pas. Venir acheter. Ouais. Ça aurait bien. Pour le moment, j'ai pas eu de bug. Ouais. Après, c'est surtout. Je pense qu'il doit y avoir toujours les bugs, bon, normal, mais c'est surtout l'intelligence. Les IA, c'est vraiment à chier, quoi. C'est ça qui. Ça, moi, je trouve qu'il plombe le jeu. D'accord. On va lui laisser les commandes parce que je crois qu'il va te faire un truc assez sympa avec Rogue. Merci, c'est cool. Et tu le regretteras pas. Je crois qu'il va se passer un petit truc avec Rogue. Je devrais y aller. Je sens toujours une douleur aiguë près de ton cœur. Je crois que c'est pas prêt de s'arrêter. Ok. Ça se tente ou pas? Pistis, Sophia. C'est ça. Ouais. Bel endroit pour mourir. Mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mec. Attends, par contre, on peut aller... Mais mec, tu fais quoi là? Je crois qu'on était les seuls. Y'a rien qui compte de toute façon. On était tout seul? Ah oui, ça c'est la nénette. Oui. Fais gaffe, ça spoil un peu. Hein. La ligne est sûre, on peut parler. Ou vous voulez une adresse pour m'envoyer une autre poupée? Tout va bien. J'ai rassemblé tout ce qu'il nous fallait. Bien. Non. Excellent. Il faut qu'on se voit. Où? Entre. À l'embase. Ne me faites pas attendre. Face à face? Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses. Nous en discuterons à l'embase. Ok, je connais. Je vous retrouve là-bas. Alors, il doit avoir un accord à l'embase. Alors, attends, il y a encore voir des quêtes qui se mélangent. Parce qu'il y a trois grosses lignes de quêtes initialement qui s'intermélangent. Et là, tu vois, on était sur Amène-moi l'Afterlight, Life. Et Anako nous appelle, et hop, boum, c'est la quête Anako qui prend. Alors que si on voulait poursuivre l'Afterlife, elle était ouf. Comment elle s'appelait? Voilà, c'est Shipping, c'est ça. Ah, c'est devenu une mission annexe. Ça y est, Rogue est en mode prédatrice. Elle est prête à arrêter de fuir et à choper Smasher.
On va essayer de retourner là-dessus parce que je crois qu'il va se passer un truc assez sympa avec Rogue. J'ai cru voir deux, trois trucs. Hop, voilà. Je sais pas, par contre, là, je suis sûr qu'ils ont rien codé. Allez là. Monsieur. Monsieur. Bien. T'es pas bien, gros. Je suis médecin, je peux t'aider? Tu convulses, non? Eh, vous perdez le chemin. T'es perdu ou quoi? Bah, c'est toi qui perds, mec. Est-ce que... C'est... Non, mais attends, il est possédé, le gars Joe. Est-ce qu'elle a putain ma frangée de m'envoyer encore un truc? On était les seuls clients, mais en fait on n'est pas les seuls clients. C'est dégueulasse et J'aurais mieux de me tirer avant qu'il soit trop tard. Ouais, tu dois te tirer. Ça c'est dommage si tu peux pas balancer les gens. Bon, je sais pas. On va essayer de monter sur le toit, voir ce qui va se passer. Mais. C'est pas prévu, je pense. Et donc ils ont pas Mitch Anderson pour bien soin les affaires de. Qu'est-ce qu'il a dit? J'en avais besoin pour bien soin les affaires de Scorpion. Ok, je veux pas qu'elle finisse chez un prêteur sur gage de bas étage. C'est tout. J'ai pas d'autre. Composant, t'as des trucs qui se passent là. J'ai peur de finir à travers une texture parce qu'on devrait pas être là quoi. Mais dans l'émission, t'as des loots partout, t'en fous partout, sauf que après, y'a rien. Si t'arrives à aller dans des zones un petit peu où tu devrais pas forcément y aller, bah ils ont rien mis les mecs. Y'a pas de truc aléatoire sur le loot. Position aléatoire. Et ils auraient pu mettre des trucs... Et là, par exemple, ils auraient pu foutre un truc, quoi. Ils auraient pu mettre un truc. Ils auraient mis. Donc là, tu peux te faire chier à explorer des endroits. La mission, violence. Non, mais non, je vais pas suivre la mission, j'ai pas envie. Athlétisme. Au numéro, retrouve-moi au Hotel Motel. J'y suis. 210. Si vous voulez. Merde. Hôtel Motel. Je suis au Hôtel Motel là. Chambre 210. Comment j'ai trouvé? Ah non, c'est pas le Hôtel Motel, c'est là-bas. Non, mais attends, ça on ira faire après. Hein. C'est trop cool. Je sais pas si je te bute. Ah bah. T'es pas poupé là. Bah, tu pourrais pas l'aider, tu vois pas qu'il est dans le mal. Dans les mains. Ah, il y avait rien. On est innocent. Mais je tue rien. Ah bah voilà. On essaie de te faire lever. Tu vas où? Ça c'est la joie de Cyberpunk. Ah, tu pourrais le pousser là. Ouf. Pas. Ah bah tu parles maintenant ma langue. Bah tu fais demi-tour, je te pousse, tu fais demi-tour. Ah, je vais foutre un truc moi. Salut, j'ai eu ton numéro par un pote, pareil que t'es plutôt doué dans ton domaine, si c'est vrai, j'ai un boulot à te proposer, appelle-moi si ça t'intéresse, ok. Je crois que ta maman t'appelle. Non. Pitié, me pas. Vous allez pas me tuer. Maman m'appelle. Pitié, me faites pas de mal. Ah, merde. Thank you.
Ah, les IA comptent pas là. Ah, c'est Crime Slayer. Ah putain, j'ai les petits qui arrivent. Quatre étoiles. Je sais pas si j'ai déjà eu 4 étoiles. Attends, comment j'appelle la voiture? La moto. Ouais. Bref. Alors, on va s'aimer le réplique. Attends. J'ai dit qu'il fallait qu'on se fasse celui-là. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est ça. C'est celui-là qu'on va faire. Voilà. Il y a des boulots partout là. Bah oui, chaque fois que je suis chez la Pacifica. Hop là. Да не высовывайтесь, придурки! Bagnole. Pendant une seconde, j'ai bien cru que j'allais y passer. Le mec, on sort à poil. Hein. Si j'ai eu le loot, la récompense d'avoir buté les gens. Encore. La mort sera au rendez-vous pour toi. Oh, t'as eu chaud, mec. C'était à ma voix, mec, je suis fané. Hein. Il a réussi à m'avoir ce con. 900?
à tous les sous-traitants du NCPD. On nous signale la possibilité d'une activité criminelle organisée du côté d'Eden Beach Mega Ride. Un chef du gang des désosseurs se trouverait sur les lieux, Stanislaus Spichko. D'après son casier, il a déjà un solide passif de contrebande. La ville offre une récompense à qui neutralisera Spichko et ses hommes. Spichko et ses hommes, il est où ? Je l'ai eu au final. Je sais pas c'est lequel, Spichko. Je recraft des nades. J'ai plus de grenades. Ça, c'est des IEM. Incendiaire, anti-char, grenade IEM. Non, moi, je veux l'explosif, moi. C'est ça qu'il me faut. Merde, personnage, je suis où, personnage, là ? Oh, inventaire. C'est les aveuglantes que je suis. C'est pas les aveuglantes qu'il me faut là, c'est les explosifs. C'est ouf. J'en ai fait que 3. Ça avait bugué. Bah alors, Spiculo, c'était plus là ?
Bon, allez hop. Je sais pas combien j'en ai fabriqué. Que j'essaie de voir. Ah merde. Ah oui, c'est efficace. Hein. Putain. J'ai dû buter, je pense, non? C'est mal au point, toi. Je viens de l'ouvrir. Ben, je pense que je l'ai tué. Je pense qu'il faisait partie des mecs que j'ai buté là. Pas lequel. Hein. Mais je pense que je l'ai buté. Oh putain, incendie. Je pense que je l'ai buté. Ça me donne rien que ce soit là-bas. Hein. Bon. Je pense que c'était ça. Oh, il y a pas un truc de... C'est pas le sphère. C'est sûr, je vais mettre un unitaire, ça va faire quoi quand il serait. Ouais. Pas ouf, hein. Combien de dollars dedans? Oh. 467. Il y a de l'explosif partout. C'est pareil là, c'est quoi tout ce bazar? Tout le monde n'avait personne. Hein. Bonjour. Il oh, y a des deux cerfs là. Attends, c'est deux cerfs contre qui? Ah, y'a pas de jaloux. C'est une animals. On s'est niqué, putain! Ah bah moi j'ai tout vous niqué les mecs. Là je peux vous dire que animals ou des os, vous allez tous finir pareil. Hein. Bonjour. Ah, vous avez perdu votre bras, monsieur. Ah. T'as kiffé? Oh. Bah, et quoi? Tiens, après les grenades, ça explose. 1200 la machette.
plus. Oui, il y a un truc là. C'est qui toi? Béatrice du marché noir. Moyenne synthétique. Augmente la charge maximale et. Augmente la charge maximale et les dégâts de charge de 100%. Augmente la charge maximale et les dégâts de charge de. J'en sais rien. C'est un module cybernétique. J'ai gagné une sauvegarde. Module cybernétique, donc ça veut dire qu'on peut le mettre en personnage. Merde, inventaire. LCR. Ça serait à quel endroit que tu mets? Là? Ah, j'ai changé mes trucs. Je suis en létal maintenant. Ok. Mais inventaire, matériel cyber, sac, module cybernétique. Attends, il est où? Ah, batterie de marché noir. Et tu le mets où? Où est-ce que tu le mets? C'est comme la console de Bartmos. Batterie du marché noir, sans charge. Qu'est-ce que ça faisait? Ça, ça sert à rien. Choc sonore, dysfonctionnement d'armes. Ah, si, je surchauffe, surchauffe, c'est pas mal. Ah, c'est bien quand même, son chauffe. N'empêche, j'ai des trucs là. Attends, il y a que lui où je peux mettre des. Ah, mais c'est parce que j'en ai plein que j'ai pas, quoi. Peut-être que c'est là aussi. Non? Pensez-vous pas? Pourquoi je peux pas mourir? J'ai pas un truc à faire là sur le parc. Y'aurait pas des petits fils de hein. Des os. Plombez-moi cet enculé!
Attends, je teste. Voilà. Attends. Ah, loupé. Bien, bien intelligente, hein. C'est un peu cheaté par contre. Hein. Oh le. Je peux coco. Ah bah, c'est ton bras que j'ai arraché. Voilà, monsieur. Aider vous aussi les trucs. Ah, fait chier. Inventaire. Dommage que tu puisses pas sélectionner. Ah merde, j'ai enlevé quoi, mon lazy. Hop. Et qu'est-ce que j'ai démonté? Bon, ce que je vais faire, je pense que celui-là est déjà midi et demi. Je vais aller chercher mes gars à l'école à 13h30. Je pense que je vais juste aller jusqu'à l'Afterlife et se regarder devant l'Afterlife. Je pense que c'est que ce qu'on nous allait me faire. Les accessoires, je sais pas si c'est lourd les accessoires. Non, zéro. Ça pèse pas les accessoires. Et ça pèse ou pas? Ouais, quasi que dalle.
pas ce qui pèse le plus. Ça. 96. Putain, un petit trench là. Des bananes de Johnny. Attends, il faut que je mette un petit débardeur de Johnny là. Ah mais non, je peux pas mettre les la tenue spéciale Johnny là. Je peux pas les mettre juste ses plaques, toute la tenue de Johnny. Mieux. Un autre pas de pompe. C'est vraiment une tannée, ça. Oui, il y a de la tenace. D'accord. Et de la thune. Ah bah c'est lui, Zisco. Putain, je l'ai tué sans souci. Hein. Pas mort. Bon bah là il est mort. Voilà. Non, strictement rien fait. Bon, là, il n'y a plus rien à l'autre, je pense. Là, par contre, il y avait un tas de quoi. Eh, on peut pas faire un coup de grande roue, là. Yes! Où l'entrée de la grande roue?
rentrer dans la grande. C'est dommage, j'aurais bien fait un petit tour de la grande roue, là. Juste monter, moi. J'avais fait carrière sur le toit là. J'ai loot. Mes 248 des épiques des légendaires. Tiens, des légendaires. Sympa. Y'a rien là d'apprendre. Toi, s'il y a une caisse là-bas. Y'aura de la merde, y'a voir. Ah, j'ai loupé. Loupé comme une blousaille. Bon, allez. Je peux faire rien de plus à loot. Donc, s'il y a des trucs à loot, la loose. Des parcours là. Ah, ça gratte. Ouais, bah ça on peut pas faire le tour de grand 8 hein. Putain, je me serais bien fait un petit tour de grand 8 là comme sur la démo. Putain, s'il y a du bleu là. Il y a un problème lui. Hein. Que je peux jouer? Ah non. Un C. Y'a pas de SETA. 55. Ah zut, c'était pas sûr. Ah merde! Putain, j'ai tout faux. Ah loser. Tu peux recommencer? Je sais même pas. Donc là j'ai loupé. Allez, dès que tu loupes, Et t'en as un par contre, c'est... T'en as un, c'est fini. Ok. Allez.
Et lui, j'ai looté. Sinon, il n'y a plus rien. Ok. On a fait un petit peu de ménage. Allez, la sauvegarde. Bon, on va l'afterlife. La moto qui était dans le coin. Elle a dû dépop, je pense. La moto qui était là. Bon, la moto a dépop. Ce que je vais faire, je vais même attendre un petit peu. Qu'il fasse jour. Et Barthmos, réveillez-vous et oh, il Barthmos. D'abord, viendra le grand retour à la réalité qui inaugurera l'avenir du monde. Quand de l'argent change de main, votre véritable moi est victime du capitalisme, la meilleure arme. Si la méditation est interrompue, l'oppression corporelle prendra fin seulement quand vous cesserez de vous opprimer. Réveillez-vous et réveillez les autres rejets de notre collectif. Net dire, hashtag time workout web. Ouais, je pouvais sur un PC pour aller sur le netdir de point time water. La caisse. Oui, va. Il y a une sortie dans le coin. Mais t'es là, ma moto. Elle est où? Il n'y a que des caisses pétées. Elle n'aura aucune bagnole, salut mec. T'as pas une moto? Non mais là je veux pas. Oh bah tiens, si je peux pas prendre le camion là. Camion mec. T'as eu le net dans la merde là qui me... Comment? Ben, je sais pas qu'il fallait que je prépare la table. Il m'a dit fais chauffer le carpaccio. Après je me suis dit carpaccio, on chauffe pas. Ah, j'avais pas compris ça. On sort jamais à l'avant, ce carpaccio. Deuxième des fois deux. On en met combien? On en pense 4 ou 6?
Ben en fait, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas des 4 et il y avait un 6 qui était plus cher que si j'en prenais 3 x 2. Donc au final... tendance à disparaître. Va voir d'où vient le problème. Mais essaie de pas disparaître toi aussi. J'ai viré ce matin, mais comme pour du d'orange, on avait pas de d'orange. Ouais. Ouais, je pense qu'il est Il était moins bon que celui de... des sushis. Allez, on va s'arrêter là. Ouais, j'arrive. Je sauvegarde juste et j'arrive. Je sauvegarde et j'arrive. Sauvegarde, confirmé. Allez.
Thank you.